une magnifique preuve d'amitié. En octobre 2020, Tom Parker révélait être atteint d'un cancer du cerveau inopérable. Sur Instagram, CST alors qu'il voulait être le porte-parole de cette maladie que le chanteur avait confiée, « Nous ne voulons pas de votre tristesse, nous voulons juste de l'amour et de l'optimisme. Ensemble, nous sensibiliserons à cette terrible maladie et rechercherons toutes les options de traitement possibles. » Alors que les médecins lui avaient indiqué qu'il ne lui restait plus que 18 mois à vivre, la star du groupe The Wanted avait alors réalisé de nombreuses chimiothérapies et 30 séances de radiothérapie afin de retarder l'échéance. Souhaitant partager son histoire, le père de deux enfants avait écrit ses mémoires, Hope, Espoir, note de la rédaction. Dans un extrait de celle-ci, publié à titre posthume, jeudi 26 mai 2022, Tom Parker révélait que son ami Ed Sheeran avait payé toutes les factures liées à son traitement médical. Je n'ai jamais dit cela publiquement auparavant, et il sera probablement en colère que je le fasse maintenant, mais Edition est un homme très spécial. Il m'a même aidé à régler mes factures médicales lorsque je cherchais d'autres options de traitement et que je suivais une immunothérapie privée. Il n'avait pas besoin de faire quoi que ce soit, mais ma femme Kelsey et moi lui sommes très reconnaissants pour son soutien. Cela signifie tout pour nous, peut-on lire. Mercredi 30 mars 2022, en apprenant la mort de son ami, Ed Sheeran avait dévoilé sur Instagram, tellement triste d'apprendre la mort de Tom. Mes pensées vont à Kelsey, ses enfants et sa famille. Si c'était une journée triste, c'était un mec adorable. Les confidences déchirantes de la veuve de Tom Parker en juillet 2018, le chanteur épousait Kelsey Hardwick. Un an après s'être dit oui, le couple était devenu parent d'une petite fille, Aurélia, avant d'agrandir la famille en 2020 avec la naissance du petit Bodhi. Dimanche 1er mai 2022, la veuve de Tom Parker s'était confiée dans les colonnes du Sun. Après avoir révélé avoir promis à son mari de bien s'occuper de leurs enfants, elle avait déclaré, « Il a enlevé son alliance et l'a mise à mon doigt. Je pense qu'il savait alors que c'était la fin, mais il avait toujours le combat de Tom en lui. Il ne voulait pas y aller. » Avec émotion, la jeune femme avait ajouté, « Quand il est décédé, j'ai fermé les yeux et je lui ai donné un baiser et je lui ai dit que je l'aimais. Je lui ai dit qu'il était tout pour moi. » Loading widget.